be like, there she go. She. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Salut à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Une vidéo pas comme les autres. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est pas une vidéo débriefing, c'est une vidéo dédicace avec les joueurs de l'Olympique Lyonnais, notamment 3-4 joueurs qui étaient venus. Il y a une joueuse de l'Olympique Lyonnais, des féminines de l'Olympique Lyonnais, qui était là, comme vous avez vu dans la vidéo, et qui est partie au moment que j'étais en train de faire dédicace, et que j'étais en train de signer des dédicaces. Et du coup, à mon passage, j'avais que Lukeba et puis Cherki. Et j'étais vraiment venu, dommage, je suis vraiment déçu sur cette vidéo. Je tiens à le souligner sur cette vidéo que je suis vraiment déçu puisque j'étais allé voir Bradley Barcola. Mais évidemment, Barcola a été malade, du coup, il n'a pas pu être sur cette dédicace. J'aurais aimé avoir une dédicace de Barcola, ça ne s'est pas fait. Peut-être la prochaine fois, n'hésitez pas à le dire sur commentaire si la vidéo vous a plu, puisque l'année prochaine je referai ce genre de vidéo dédicace. C'était assez sympa, il y avait du monde, c'est normal, tout le monde veut sa dédicace, il y en a qui voulaient leur dédicace sur leur chaise, et dans des chaises, vous allez voir dans la vidéo, il y en a qui voulaient des dédicaces sur leur maillot, etc. C'était une vidéo franchement assez simple, assez sympa, c'était l'ambiance assez sympa, il y avait quand même du monde. On va dire, moi je m'attendais à plus de monde que ça, mais ça va, je pense que ça s'est bien passé, la journée s'est bien passée. J'ai eu mes dédicaces, Lukeba, dédicace de Lukeba. Je ne sais pas si vous voyez bien, quand même, voilà, ça bouge, voilà, le fou est parti, Lukeba, voilà. Une petite dédicace de Lukeba, une dédicace aussi de... Salima qui était là aussi. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, le flou va partir. Voilà, Salima. Voilà, une petite dédicace. Et une dédicace aussi de Cherki qui était là évidemment, mais il n'avait plus de photos pour faire les dédicaces, il n'y avait plus de feuilles. Du coup, j'ai fait la dédicace avec la photo de Salima. C'était pas plus mal. Voilà. On voit bien, c'est la dédicace de Cherki sur la photo de Salima. Je ne sais pas si le flou, il voit. Voilà, vous voyez bien la dédicace, c'est marqué 18 ici. Voilà. 18 en bas, Cherki, voilà. Sur la photo de Salima. Voilà, et évidemment, Barcola n'était pas là. J'étais un peu déçu de voir que Barcola n'était pas là. Franchement, quand j'ai arrivé voir Cherki, je lui ai parlé. Vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, bon, ben, l'année prochaine, hein. Vous ferez mieux l'année prochaine. Ce qu'il me dit, ce que Cherki me dit, il me dit l'année prochaine, voilà, bon, on va voir l'année prochaine. L'année prochaine, ça sera peut-être mieux. Ça sera mieux l'année prochaine. J'avais rien d'autre à lui dire comme message que j'espère que vous allez faire mieux l'année prochaine. C'est-à-dire pour cette année 2023-2024, que la saison prochaine, ça sera mieux. C'est tout ce que j'ai trouvé à lui dire et il m'a répondu que oui, j'espère aussi qu'on fera mieux l'année prochaine. Donc ça c'est un petit message pour dire que Cherki va bien rester à Lyon, évidemment il va bien rester. Ça, j'ai été un peu journaliste sur le côté, j'ai un petit goût de journaliste, vous avez bien vu. Je suis allé, je l'ai demandé si, puisqu'il aurait pu me dire on verra l'année prochaine ou c'est pas sûr que je reste, mais bon il n'a pas envoyé de petites piques puisqu'ils savent que les journalistes sont là. Si tu dis quelque chose comme ça, tout le monde va se dire Cherki va partir de Lyon. Alors que tout le monde, Cherki, c'est la pépite d'Orléans, c'est le seul. Mais bon,
malgré qu'il dribble, je veux pas, je suis pas venu pour le critiquer, hein. Malgré que Sharkey, il dribble, il marque pas assez et tout, il tire pas, il fait deux fois des dribbles inutiles, il marque pas assez de buts et tout, c'est plus la Lacazette qui est là au top. Il n'y avait pas la Lacazette dans ce, dans ces, c'était, cette journée de délicat, c'est dommage. Mais voilà, j'ai essayé de piquer un peu Sharkey là, je suis venu à mon instant de journaliste évidemment. Bon, après j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui cherchaient à être journalistes, qui cherchaient à percer là où je suis allé dans cette délicat. Il y a des jeunes qui parlaient avec les caméramans pour dire s'il peut avoir une formation journaliste. Bon, chacun a son truc. Moi j'ai pas ça, j'ai juste un peu parlé avec Sharkey pour lui dire on verra un peu l'année prochaine, mais je sais très bien qu'il n'allait pas me dire bon, mais l'année prochaine, moi, je ne veux pas rester à Lyon, etc., etc. Mais je l'ai senti un peu Sharkey, il était un peu bizarre. Je ne sais pas, si moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il était peut-être un peu agacé de faire ce genre de choses, des délicates, ou il était fatigué. Je pense qu'il y avait la fatigue et tout, etc., qui jouait et tout. Puisqu'on voyait bien qu'à chaque fois qu'il voyait les gens qui signaient et qui faisaient les photos, il sourit. Mais on voyait le sourire, il était forcé. Mais bon, on va dire c'est normal, il est fatigué. C'était un peu du « oui, je rigole pour faire plaisir, mais après, je me remets, je rigole, mais voilà quoi. » Alors du coup, ça m'a fait plaisir, hein, un côté de voir Sharkey, de voir Salima, et il y avait Amel aussi qui est parti quand je suis arrivé. C'est pour ça que je n'ai pas eu sa photo aussi, je n'ai pas Amel puisqu'elle est partie, elle est restée quelques temps et elle est vite partie. Et du coup, voilà, après je pense qu'ils sont partis aller s'entraîner ou je ne sais pas ce qu'ils sont allés faire, ils sont vite partis. Mais j'ai essayé un peu aussi au départ, quand il est parti Sharkey, de l'interview. J'ai essayé de faire une petite intervention vite fait, mais ça a été vite fait. J'étais à deux doigts, si vous regardez bien la vidéo, vous allez voir, je suis à deux doigts de gratter une intervention et parler un peu avec Sharkey et lui faire parler dans ma chaîne YouTube quand même. Mais j'étais à deux doigts quand même, mais ça va. J'ai hésité un peu, j'étais un peu timide, c'était ma première fois. Et du coup, voilà, je ne savais pas comment me... Maintenant, en faisant cette vidéo, la prochaine fois, je sais que j'essaierai de faire mieux que ça, là, que je viens de faire aujourd'hui. Excusez-moi, je regarde le contre-vidéo, là, je me regarde, là. Je regarde pas trop les... Ici, c'est ici que je dois regarder. Moi, j'aime bien regarder là, mais c'est là que je regarde. Là, vous me voyez bien. Excusez-moi, voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Mais j'ai aimé franchement cette journée dédicace, c'était bien, ça s'est bien passé. Même s'il n'y avait pas Barcola, il y avait Salima, il y a Amel et Loukeba, ça m'a fait plaisir. Mais s'il y avait Barcola, j'aurais été encore plus heureux quand même. Mais Barcola a été remplacé, à la place de Barcola, il y avait Loukeba. Mais voilà, je voulais vraiment, quand j'ai vu l'affiche Barcola, à Décathlon, j'ai couru, j'ai pris mes pieds à deux mains, jambes, je suis allé quand même aller voir ce qui se passe. Mais voilà, il y a toujours un nez qui fait que voilà, Barcola est tombé malade. J'ai pas eu de chance. Mais bon, voilà. Je vous laisse finir la vidéo, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je suis quand même excité que c'était une bonne journée quand même. Je suis content, mais bon, voilà. Il m'en fallait un tout petit peu encore plus pour être content. Voir Barcola, je serais refait. Eh oui, je serais refait. Bon les amis, je pense que j'ai trop parlé, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis. Lyon rencontre évidemment Montpellier, une équipe qui aime bien faire des matchs. On ne sait pas ce qu'ils vont faire, je ne sais pas si je veux faire une vidéo évidemment. Aujourd'hui on est vendredi aujourd'hui. Mais je ne sais pas si Lyon va gagner ou faire un matchs. Donc c'est ça que je me dis, est-ce que je veux faire une vidéo, voilà. Bon, ou peut-être je vais aller dans le stade, mais bon, rien n'est dit. On verra si ça se passe bien, je ferai une vidéo. Mais quand même, Barcola n'est pas venu, hein, quand même. Ça m'embête ça. Comme par hasard, il tombe malade quand je vais à la journée de délicace. Thank you.
David. Ouais, c'est ce que... N'hésitez pas, hein, je vous l'ai dit, n'hésitez pas, n'oubliez pas de mettre un like pour me donner la force, les amis, puisque là je suis en train de faire le montage, là où je discute. Et comme on dit chez nous, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime, c'est ça on aime. Quand ça se passe bien comme ça, qu'on fait des petites vidéos comme ça, là où on est en train de faire des petites dédicaces et tout, c'est ça qu'on aime, ça on aime ça. Hein. N'oubliez pas de liker et mettez-moi un commentaire, les amis, mettez-moi un commentaire et dites-moi si ça... vous a plu cette vidéo. Pour l'année prochaine, je vous referai la vidéo, peut-être en plus mieux si j'arriverai à parler avec un des joueurs lyonnais l'année prochaine, si ça se passe bien, si, ou peut-être pas, je vais peut-être pas arriver, ou peut-être un jour je vais y arriver, mais je vous referai cette vidéo. Allez, salut les amis, moi je vais finir le montage, là vous regardez la vidéo, mais là je suis en train de finir ce montage.